Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kenana, ayo, ayo. Ayo, ayo. Kenana, ayo, ayo. Ayo, ayo. Justice, pour le Dogo. La créature, c'est vous. La créature, c'est vous. Nous réclamons justice. Ce matin, devant le grand portail de l'UAC, pour porter un message au président de la République et prendre par la même occasion à témoigner le pion national et international. Nous étions là ce matin pour rendre un hommage et réclamer justice pour le camarade Eloi Dogo, étudiant en troisième année à l'université de Parakou, qui a été malheureusement lynché à tort le jeudi 21 octobre aux yeux et aux yeux de tous. Ce qui nous a choqués dans cette vidéo, c'est que le camarade n'a eu aucune chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prouver son innocence. Il a été arrêté et lâchement brûlé. Et ce qui encore fait plus mal, lorsque vous regardez la vidéo, vous allez constater que la police républicaine était sur les lieux. Et pourtant, rien n'a été fait. Nous réclamons justice pour que tous les auteurs de ce crime crapuleux payent pour leur forfait. Nous réclamons justice pour que les policiers qui étaient sur les lieux, qui sortaient dans la vidéo, puissent tous être punis et radiés de la police s'il le faut. Nous réclamons justice pour que des lois soient prises et que plus jamais nous ayons à déplorer ces gens d'actes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en sécurité en tant que Béninois, en tant que jeunes dans notre propre pays. Vous imaginez, un acte de vol peut se produire à un endroit X. Et si vous avez la malchance de prendre par là, on peut vous arrêter et sans motif vous brûler. Et c'est ça que nous refusons. Nous disons non et que vivement nos voix soient entendues. Si nos voix ne sont pas entendues, nous allons encore revenir. Nous allons continuer jusqu'à ce que justice soit faite. Ce qui s'est passé est très, très dangereux. Un an après, on n'a pas encore fini. Hein. Ils ont tué notre camarade Théophile Daho. Le Bénin fait partie désormais du Conseil des droits de l'homme. Nous revendiquons le droit de l'homme sur le plan international. Et pourquoi nos camarades étudiants, on a dit, nous avons eu l'expérience sur le campus, les étudiants ne sont pas des voleurs. Les étudiants n'ont jamais volé. Mais ce qui nous fait mal là, c'est que les autorités ont gardé silence. Les autorités judiciaires ont gardé silence. Comment on peut tuer un camarade étudiant, l'avenir de ce pays, brûler vif, et les autorités judiciaires ont gardé silence? Nous sommes venus ce matin pour dire non à la vindicte populaire et nous attirons l'attention des autorités à divers niveaux à prendre leurs responsabilités. Je profite de ce canal pour inviter la jeunesse béninoise à briser les chaînes de la peur. Parce qu'ensemble, on est fort. Hier, c'est Eloi Dogo. Demain, ça peut être une autre personne. Nous devons ensemble dire non à cette barbarie-là et nous mettre ensemble. Surtout la jeunesse, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux que nous devons trier. Nous devons être présents et nous soutenir sur le terrain. Nous ne nous sentons plus en sécurité. Nous demandons au président Patrice Talon de prendre les responsabilités, de situer les responsabilités pour que justice soit rendue à notre camarade Eloi Dogo. Nous ne nous sentons plus en sécurité parce qu'à tout moment, si quelqu'un est contre toi, tu passes dans son quartier, il peut te prendre et te dire que tu es voleur. La population ne vient pas pour dire est-ce qu'il a vraiment volé. Non. La belle preuve, si vous regardez bien la vidéo d'Eloi Dogo, malgré que les camarades parlaient, tout le monde les gifrait. La population a été toujours comme ça. Donc, nous disons non à la vindicte populaire. Responsable de l'Union nationale des scolaires étudiants du Bénin, nous sommes descendus ce matin pour réclamer justice à notre camarade étudiant abattu. Et tout cela en face de la police républicaine.
la police républicaine, elle est complice de cet acte. Parce qu'à aucun moment, la police ne doit être présente sur ces gens de lieu. Moi, je pensais même que la police n'était pas encore informée et c'était déjà trop tard. Mais la police était là. Et nous appelons déjà le DGPR, le ministre de la Justice. Ce n'est même pas à faire de suspendre ces polices, à limoger ces polices. Ils n'ont qu'à se retourner au chômage. Là, c'est bien. Parce que déjà, nous, les responsables étudiants, les étudiants ne se sentent plus en sécurité dans le pays. À l'université d'abord, Mekalavi, et comme vous nous voyez ici, d'abord, il y a parmi le monde qui est derrière moi, beaucoup d'étudiants. Et je porte aujourd'hui la voix de ces étudiants en disant simplement que, par exemple, moi, je viens de très loin pour venir à l'université. Et admettons un instant que je me mette en route pour venir à l'université et qu'on m'arrête sur la voie et qu'on m'accuse de quelque chose que je n'ai jamais fait et qu'on me brûle. C'est pour cela que c'est en cela pensant que nous sommes levés en tant qu'étudiants pour réclamer justice pour le camarade et pour le camarade Eloi Dogo. Juste pour dire que cela doit s'arrêter. Juste pour dire qu'on en a marre. Hier c'était Théophile Diarro. Aujourd'hui c'est Eloi Dogo. Demain, qui cela sera? Les images que nous avons vues de l'assassinat de notre camarade sont insoutenables, inadmissibles, inacceptables et inconcevables. C'est affreux de constater qu'au Bénin ici, où on nous dit que la peine de mort a été abolie, on constate que c'est les étudiants qui sont lynchés, assassinés, abattus de façon inadmissible, sans justice. Nous sommes dans un pays de droit et nous voulons que si aujourd'hui le président Patrice Talon nous écoute, les autorités à divers niveaux nous écoutent, qu'ils sachent que mieux vaut libérer un coupable que de condamner un innocent. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. On ne peut pas permettre à ce que les étudiants soient souvent lynchés à mort, assassinés au regard de tous. Cela prouve que nous-mêmes, qui sommes les responsables des étudiants, nous sommes tous des victimes ambulants. Plus jamais ça au Bénin. 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 Plus jamais ça au Bénin.